Lorsqu'à 26 ans, Tony et Oksana s'inscrivent à Eurochallenge, c'est pour vivre l'amour en plus grand. L'amour en mode mineur, pas pour eux. À Eurochallenge, ils seront comblés. Oksana découvre pour la première fois un homme attentionné qui l'épaule au quotidien, même dans les tâches ménagères. Tony, quant à lui, apprécie en Oksana son raffinement, sa manière de penser positive et son caractère enjoué. Autant de qualités portées, selon lui, à leur quintessence par la femme slave. Chaque jour, le couple profite des agréments de sa double culture. Une double culture qui se révèle un terreau idéal pour l'épanouissement de leur petite Sophie, déjà polyglotte à 18 mois. Nous sommes aujourd'hui à Nice, à l'agence du Eurochallenge de Nice, et nous avons le plaisir d'accueillir Oksana et Tony, ainsi que leur petite Sophie qui a 16 mois. Oksana et Tony sont mariés maintenant depuis 3 ans, la petite, comme je viens de le dire, a 16 mois. Et voilà, c'est une jolie famille franco-russe que nous accueillons aujourd'hui à Nice. Comment vous avez connu Eurochallenge ? Oh, c'est plutôt mes copines qui m'ont raconté petit à petit que peut-être je serais intéressée. Après, j'ai réfléchi et j'ai pris la décision. Que pourquoi pas? D'accord. Donc, par l'intermédiaire de vos amis qui étaient déjà inscrits? Oui. Ah, oui. D'accord. D'accord. Je trouve que vous parlez très bien le français. Merci. Et est-ce que vous pouvez nous dire de quelle manière vous avez appris le français? Bah donc tout d'abord, bien sûr, je prenais les cours dans mon pays, oui. Mais bien sûr, mon meilleur professeur, c'est mon mari. Il était assez patient, il a pris le temps, c'est qu'en communication, avec beaucoup de patience que j'ai réussi de parler comme je parle aujourd'hui. C'est rien d'autre. En France, je n'ai eu aucun cours ou aucune formation de français. C'est que... C'est grâce à Tony. Donc, oui. Je crois qu'on peut féliciter Tony parce qu'il oui, a fait une belle œuvre. Oui, c'est vrai. Comment s'est passée votre première rencontre? C'était à Budapest. À Budapest? Oui, Budapest, au mois de novembre, il y a 4 ans. Ah oui. Donc c'était vraiment très romantique, on ne pouvait pas imaginer mieux, c'était comme au film. Il neigeait, c'était vraiment très très sympa. Et on a fait 3 jours à Budapest. C'était, je pense que l'amour, un coup de foudre. Un coup de foudre? Oui, tout de suite, comme dans les films. Le premier baiser, c'était... Le lendemain, je pense, quand on a vu, on était sous la neige, les petites lumières dans le noir, et c'était vraiment comme le meilleur moment. oui. C'était un château, quelque chose on a visité. C'était le bastion des pêcheurs, là. Oui, c'était le soir, il y avait les lampadaires, la neige, petits flocons, donc non, c'était bien. Il faisait froid dehors et chaud dans les cœurs. Oui, exactement. Donc on va fêter votre amour en trinquant du champagne. Merci à vous. Alors, tous nos voeux de bonheur à poursuivre toute la vie, puisque c'est ça qui compte, hein, c'est le projet. Et puis peut-être dans quelques temps, un petit garçon. Pour l'instant, ça pour va. Pour l'instant, elle travaille pour deux. Oui. Elle a l'air bien heureuse de son rôle, hein, déjà. Hein, Sophie? Oulala, tu danses? Tu danses? Si je prends l'exemple de mon mari, et si tous les hommes français comme mon mari, oui, je peux dire que je sens une différence. Oui. Bien sûr, comment c'est qu'ils partagent la vie quotidienne, c'est peut-être c'est pas ça qui c'est le plus important. C'est pas les tâches ménagères qui me dérangent. Non, mais c'est quand même important dans la vie de couple qu'on partage tout. Oui, bien sûr. Par rapport aux hommes ukrainiens, c'est plutôt, il y a la différence, les affaires d'hommes et les affaires de femmes. Donc si
je suis une femme, je dois faire la vaisselle, le ménage, etc. Ici, on partage tout. On partage les jours heureux et les jours moins heureux. Donc, on partage Pour s'occuper des enfants. Oui, pour faire le bain, on fait ensemble. Pour donner à manger, c'est qui est disponible juste à côté. Donc, il n'y a pas de différence. Donc, les premiers mois, Tony, il se levait la nuit pour la petite, pareil avec moi. Merci. Donc, merci. On n'est pas trop de deux. Oui. Oui, hein, c'est du travail d'avoir un enfant. Hein, c'est beaucoup de soins, n'est-ce pas? Mais le plus principal, c'est que l'essentiel, que c'est beaucoup de soins, de tendresse de son côté qui fait à moi. C'est ça qui m'a attachée beaucoup dès le début. Quoi. Il était très très attentif avec moi. On va dire plus que dans ce qu'on raconte. Mm-hmm. Ouais, j'ai pas vraiment énormément de vécu ou d'expérience assez répétée, assez longue pour pouvoir dire il y a ça ou ça de vraiment différent. De vous offrir un cadeau de mariage de la part de toute l'équipe de Rochallenge. C'est un week-end en amoureux dans un relais ou château de votre choix. Vous aurez la possibilité de choisir parmi cette liste. Le plus difficile, c'est de choisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe à Rochallenge. Oui, merci pour notre belle aventure. Alors, tous nos voeux de bonheur pour la suite. Et puis, félicitations déjà pour l'œuvre accomplie.